Salut tout le monde, bienvenue à votre chronique hebdomadaire, les Sags en rafale. La semaine dernière était particulièrement occupée pour vos Sags avec 3 matchs en 4 soirs. Tout a débuté vendredi dernier face au Drakkar de Bécomo. Mais malgré un avantage net au chapitre des tirs au but, les Sags sont malheureusement inclinés par la marque de 4 à 3. On retient tout de même dans les performances des jeunes de 16 ans, Émile Guité et Alex Wong, qui ont respectivement obtenu 2 et 3 mentions d'assistance. Wong est d'ailleurs au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs dans toute la LHGMQ. Vendredi dernier, ce fut cependant une défaite face aux Cataractes de Shawinigan, mais vos Sags ont répondu de la meilleure des manières avec une victoire convaincante de 6 à 3 face aux Islanders de Charlottetown samedi. Et ce fut le deuxième départ consécutif là, pour le gardien de but Raphaël Précourt, qui avait été solide malgré la défaite face aux Cataractes. Ainsi, dans la victoire, ce fut la toute première dans la LHGMQ du gardien de but Raphaël Précourt. Mention honorable au vétéran de 20 ans, Alexis Morin, qui a connu encore une fois une solide semaine avec une récolte de 4 points. Cette semaine, c'est 2 matchs au calendrier pour vos Sags. Vendredi, au Centre Georges Vézina, face aux finalistes l'an passé dans la LHGMQ, les Mooseheads d'Halifax. Et ce dimanche, au Centre Vidéotron, face aux Remparts. Salut!